Et c'est parti pour le méga live. Hey, en même temps, c'est vrai, j'ai checké sur mon. Ordinateur. J'ai tellement de choses à vous dire aujourd'hui. C'est pas drôle, hein? J'en fais souvent des lives, j'en fais toutes les semaines, mais on dirait que celui-là me stresse particulièrement. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis habituée d'être avec vous. Mais celui-là me stresse un peu, je sais pas, je sais pas, je sais pas. On va essayer de se déstresser, de d'inutiliser tout ça. Et j'ai vu que vous étiez tellement nombreuses à vous inscrire, je capote, je capote, je capote, je capote, je capote. Oh, est-ce que ça va être un beau live, en espérant que le bébé se réveille pas. Parce que c'est ça. On va commencer par dire un beau merci à mon mari Thierry, parce que c'est grâce à sa contribution que je peux faire un live un vendredi. Pour celles qui me suivent régulièrement, vous savez que le vendredi, j'ai mes enfants à la maison. Donc, impossible pour moi de faire un live. Mais j'ai décidé aujourd'hui de le faire un vendredi parce que le jeudi après-midi, je sais que la majorité d'entre vous travaillent, vous avez vos occupations. Et je sais que le vendredi après-midi, il y en a plusieurs qui sont off. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire un vendredi. Je sais que j'ai pas pu atteindre tout le monde. Je sais qu'il y en a plein qui sont encore au bureau, qui travaillent. Mais c'est ça, avec ma vie familiale, c'est comme difficile de trouver le bon timing. Le soir, c'est impossible parce que je suis quasiment morte de sommeil. Puis les samedis, dimanches, j'aime ça passer du temps en famille. Donc, c'est pour ça que j'ai réservé pour aujourd'hui. Donc, en tout cas, on teste. C'est la première fois que je fais un live le vendredi. Fait qu'on va tester ça ensemble aujourd'hui. Hey, vous êtes déjà 315! Cool! Allô tout le monde! Hey, je pourrais pas tout vous nommer, vous êtes ben trop nombreuses à m'écrire, c'est donc ben le fun! Fait que c'est un méga live aujourd'hui, puis j'ai voulu l'annoncer comme ça, parce qu'on a quand même pour 500 $ de prix à faire tirer, et j'ai décidé ça il y a peut-être 2 semaines environ. J'ai contacté des entreprises que j'aime beaucoup de la Beauce, donc toutes de Saint-Georges, en passant, fait qu'on est 100% Beauceronne aujourd'hui, des entreprises que j'aime, que je connais des entrepreneurs. Puis ce qui est cool en arrière de ça, c'est que tous ces entrepreneurs-là, que je vais vous présenter aujourd'hui, que je vous ai déjà parlé, c'est toutes des mamans entrepreneurs. Parce que je trouve ça important de les valoriser, étant donné qu'être maman et entrepreneur, d'avoir une business, une entreprise, c'est de la gestion. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je parle pas juste de moi en passant, OK? J'ai quand même une super de belle qualité de vie à mes enfants. J'ai rien à redire là-dessus, là. Je veux dire, je suis vraiment bénie là-dessus. Mais c'est pas toujours évident. On a le cerveau qui se peine tout le temps, 24 sur 24. Comme cette nuit, de minuit à 3 heures, j'ai pas dormi. Fait que si vous voyez qu'il y a des cernes, c'est normal. J'ai pas dormi à cause que j'avais trop hâte. J'étais un peu stressée en même temps. J'avais des idées qui me spinaient dans la tête. Fait que c'est ça être entrepreneur, c'est que même si tu quittes ton travail, ça te suit quand même à la maison. Mais bref, fait que je trouvais ça le fun parce que c'est vraiment toutes des mamans entrepreneurs de la Beauce qui ont décidé très généreusement d'offrir des produits, OK? Il n'y a pas de cote là-dessus, c'est vraiment, ils ont donné ça vraiment de leur cœur de mère. Puis vraiment, merci, je vais prendre juste 1 ou 2 minutes pour les remercier, nos entrepreneurs mamans de Saint-Georges qui ont embarqué dans ce projet-là, dans mon idée de folie comme il m'arrive souvent d'avoir. Donc, on a chez Vicky, on a Olivier Gourmandise, on a MC Bedon et Création, on a Bijoux Geneviève Joaillière, on a moi, évidemment, et on a, c'est vrai, on a Azur Barre Ongles et Esthétisme. Donc, j'espère vous gâter aujourd'hui, vraiment, avec ces cadeaux-là. Pour le tirage, j'aime mieux faire un tirage en direct. Je trouve ça plus fun, plus stressant, plus amusant. Fait que je vais procéder autrement. Habituellement, les tirages, je les fais après un live avec une application. Mais là, aujourd'hui, je vais vraiment y aller avec soit des questions ou quoi que ce soit. C'est vraiment la première personne que je vais voir inscrire la bonne réponse sur mon cellulaire qui va gagner. Puis je sais que dans le passé, ça a déjà fait des petits conflits, mais c'est la seule manière la plus simple pour moi de le faire. Donc, soyez pas offusqués si de votre côté, vous avez vu, vous étiez la première, puis finalement, en tout cas, bref,
Je veux vraiment vous faire plaisir. Je veux pas de petites chicanes, là. Fait que moi, je vais fonctionner pour ça ainsi aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'application, à ce que je sache, qu'on peut faire un tirage en direct. On est capable d'en faire avec une application après le live, mais en direct, je n'en connais pas. Si vous en connaissez, vous me le direz. Ginette, ça va bien. Ça va. On dirait que je prends mon souffle. Ça va bien. Un peu stressée, mais je sais même pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je veux dire, c'est pas la première fois que je fais un live dans la vie. Mais, ouais, je sais pas. Je sais pas. Peut-être à cause que je sais qu'il y a plein de nouvelles aujourd'hui. Francine, pour participer, ça va être simple. Un, vous partagez pour inviter vos amis à venir, vos chums de filles, les mamans, les grand-mamans, les tatis, les matantes, tout ça. Mais ça va être aussi avec des questions, OK? Fait que je vais y aller un peu comme ça aujourd'hui, parce que là, j'ai mon ordi à côté de moi pour vraiment... là, c'est fun parce que je me vois en différé en même temps. C'est gossant un petit peu, finalement. Mais en tout cas, je vais marcher comme ça pour aujourd'hui. Oui, oui, Joanne, être entrepreneur, sérieusement, c'est beaucoup de... naïveté ou de confiance en soi. Dans mon cas, c'est beaucoup de naïveté au départ. J'ai lâché mon emploi séculier pour vraiment me lancer à temps plein dans un blog dans ce temps-là, il y a 11 ans. Puis 11 ans plus tard, ben c'est ça, on a notre entreprise, puis mon mari travaille à temps plein avec nous autres. On a des milliers d'abonnés. On a au-dessus de 80 000 abonnés à nos infolettes. On est plus de 100 000 sur ma page Facebook. Fait que ça a valu la peine de prendre ce risque-là. Merci. Hey, c'est vrai, ça lance, tu me fais penser. Je commence à l'envers. Là, ça se peut qu'aujourd'hui, je suis un peu décousue comme à toutes les fois, là. Mais ce live-là, c'était vraiment pour la fête des mères. Puis même si vous êtes pas maman, je suis sûre que vous êtes maman de cœur. Fait que même si vous êtes pas une mère naturelle qui a évacué et déchiré au passage, ben vous êtes les bienvenus. Puis j'aimerais ça savoir si on a des nouvelles ici qui me connaissaient zéro de bord. C'est la première fois qu'ils sont là en live. Ça, j'aimerais ça savoir. Parce que je connais mes fidèles, là. Mais, même fidèles comme sont des secteurs. Mais je connais les filles qui sont habituellement là, mais je connais pas les nouvelles. Fait que si vous êtes nouvelles, dites-moi là, puis ça va me faire plaisir de... Hey, Sophie Perrault, c'est la Sophie Perrault de... C'est la Sophie Perrault de ça, là? Je sais pas si c'est toi. Sophie Perrault qui fait des belles bouteilles, des tasses, des verres personnalisés. Fait que c'est elle qui m'avait fait cette belle bouteille de sirop d'érable là, parce que, comme vous le savez, je tripe sur le sirop. Puis, un plaisir sucré à partager. Fait que je sais pas si c'est toi, Sophie. Première fois pour Nicole, première fois pour Joanne, mais elle me connaît. Clara, c'est la première fois. Lise Perrault aussi. François. Ah, en passant, si on a des hommes, OK, parce que ça se pourrait, là. J'espère que vous allez faire bénéficier votre conjoint, votre amoureuse, votre mère de ces cadeaux-là. Parce qu'on a quelques hommes ici d'habitude. On a Antoine, notre fidèle. On a Jonathan seulement qui est là. Jean-Noël, des fois, il se présente. Donc, Lynn aussi, c'est la première fois. Hélène, Nicole. Hélène aussi. Clara Tardy. Hey, écris-moi donc en privé. Voir. Wow. Elle dit, la prochaine fois, elle veut gâter mes abonnés. J'ai hâte de savoir c'est quoi ça. Oh, Cindy. Cindy, c'est une bonne amie. Et elle comprend pas pourquoi je tripe sur le sirop. On a comme lu un petit peu le sarcasme ici. Lise aussi, la première fois. Ginette, Dani, Chantal, Véronique. Hey, j'avais envie de dire écrase. Véronique, je sais, c'est pas ta première fois. Puis, hey, Véro, c'est vrai, tu travailles-tu aujourd'hui? Si tu travailles pas, Véro, si tu as le temps de venir passer à la maison, ça se peut que je te donne une partie de ma recette, OK? Parce que j'en ai comme cuisiné pas mal aujourd'hui. Mélanie, c'est presque une nouvelle depuis 3 semaines. Nathalie, ça fait 4 fois. Ghislaine, première fois. Aline Laflamme aussi. Ah, oh, c'est toi, Clara! OK, excuse, j'avais pas place. Hein, Clara, il m'en reste déjà plus. Il m'en reste plus. Je te le dis, là, les 4 siècles ont passé. Hey, Mélina! Ma belle-sœur est là, dans ma fun. Allô, Mélina! Alice pis Chloé font-tu dodo? j'espère que tu vas gagner 1000. Sinon, ben,
peut-être Jesse, là. Jesse, c'est mon frère. Puis il va comprendre. OK? Ah, Jean-Noël, il est là! Cool! Ah, il n'y a pas de sirop aujourd'hui, Jean-Noël. Fou de même. Mais là, il va falloir retourner chez vous pour ta saucisse bacon, fromage et pour ta tartinade. C'est-tu érable et chocolat? En tout cas, c'est ça, il va falloir y retourner. Oui, je vais te dire à quelle heure en privé, Véro. Dans quelle rue t'habites? En tout cas, écris-moi donc en privé au pire sur mon messenger à moi, là. Parce que c'est ça. Je pense que je vais avoir trop de... Aujourd'hui, en fait, là, on va cuisiner quelque chose d'aphrodisiaque. OK, pour vous, mesdames? Fait que là, c'est le temps de tailler vos maris, vos chums, vos conjoints, vos compagnons, vos amoureuses, peu importe, là. Pour les hommes, là, ça va être une mousse au chocolat. Chocolat. Au Baileys. OK? C'est pas ça, c'est aphrodisiaque. On peut très faire ça à la Saint-Valentin, by the way. Fait qu'on va faire une mousse au chocolat et au Baileys aujourd'hui. Donc, c'est ça, je vais t'offrir Véro. Véronique, c'est une éducatrice à la garderie de mes enfants. Fait que je sais qu'elle est de Saint-Georges. Fait que si t'aimes ça le Baileys puis le chocolat, tu devrais être correct. Puis Jonathan, oui, anyway, sinon, je sais qu'il va le faire. Fait que c'est ça qu'on va cuisiner aujourd'hui. Merci Claudine. Sérieux, André, j'ai trop de choses à dire. Ça m'a pas de bon sens. On dirait que j'oublie, j'ai un bébé à la maison qui est en train de dormir. Il y en a qui taquent déjà leur chum. C'est drôle, c'est drôle. Moi, je fais tout le temps ça. Quand je vois de quoi qui m'intéresse, puis c'est la fête des mères qui approche ou c'est ma fête, je tag mon mari. Genre, un nouveau morceau de vêtements chez Vicky ou n'importe quoi, un bijou, là, je le tag. Petit message subtil, tu sais. Fait que. Ça va être gnome. Oui, mais ça, j'ai goûté à matin, René. Donc, pour commencer, je sais même pas par où commencer. Puisque c'est l'arrivée de la fête des mères, j'ai envie de vous commencer avec une petite histoire très personnelle par rapport à ma maternité. Très brièvement, OK? Parce que je veux pas que vous soyez axés sur moi, je vais vous entendre, vous. J'en ai déjà parlé, c'était pas tout le monde qui le sait, mais moi, ça a pris 5 ans pour avoir mon premier bébé. J'en parle parce que je sais que ce problème-là touche beaucoup plus de femmes que qu'est-ce qu'on peut penser. Puis si vous êtes l'une d'elles, je veux que vous sachiez que je comprends pour vrai et que je suis tout cœur avec vous là-dedans. Donc, mon mari et moi, ça nous a pris 5 ans pour avoir notre premier enfant. 5 ans de décès, on l'a pas eu après 5 ans. Donc, on comprend qu'on était dans plusieurs cliniques pour voir c'est quoi qui clochait. Il n'y a rien qui clochait. C'est encore plus bavant. Il n'y a rien qui allait pas bien. Tous les deux, on était bons. On va dire ça comme ça. Malgré qu'on était bons tous les deux, on a été quand même dans cette insémination artificielle au CHUL à Québec. Et malgré cette insémination-là, ça n'a jamais marché. J'ai jamais eu de test positif. Fait que vous comprendrez que c'était déception après déception après déception après déception, deuil, pessimiste, vraiment très difficile pour un couple, puis pour la femme et pour l'homme, de différentes façons. Après cette insémination-là, la seule solution qui nous était offerte, c'était la fécondation in vitro. Dans ce temps-là, c'était comme semi-couvert, là, en 2016. Non, pas 2016, 2015. Donc, en mai 2015, on décide de franchir le pas et de faire notre première fécondation in vitro. Même si c'était couvert, ça reste que c'est des milliers de dollars quand même pour débourser. Étant donné qu'on est tous les deux entrepreneurs, on n'a pas d'assurance pour les médicaments. Et les médicaments coûtent une méchante beurrée. C'est des piqûres à tous les jours, c'est des rendez-vous de suivi à Québec qui est à 1h30 de route quasiment de chez nous, donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Et malgré ça, ça n'a pas fonctionné. Et le mois de mai, première fécondation, juin, on apprend que ça n'a pas marché, ça n'a pas collé. Vraiment, défaite de la vie. Plus d'espoir. Quasiment en déprime, quasiment en dépression, à la limite. Donc, on baisse les bras dans un sens. Puis, suite à ça, à cet échec-là,
On a la visite de nos deux pasteurs de notre église de Saint-Georges, qui ne s'étaient pas parlé en passant. Donc, nos deux pasteurs nous rencontrent, ils connaissaient nos difficultés pour avoir une famille. On jase, puis ils nous disent juste de faire confiance en Dieu là-dessus. Ce qu'on fait. Le mois de juin passe et ma prochaine FIV était due pour le mois d'août. Fait que nous, on abandonne tout notre projet, on se dit, il arrivera ce qui arrivera, on a fait notre deuil. T'sais, on faisait notre deuil tranquillement, pas vite après 5 ans. Hein. On faisait notre deuil, on s'est dit, il arrivera ce qui arrivera, on va faire confiance à Dieu là-dessus. Et au mois de juillet, j'apprends que je suis enceinte. Sans traitement, sans médicaments, sans absolument rien. Et ça serait facile de dire que j'ai lâché prise, mais non, on peut pas lâcher prise quand on veut être maman, c'est pas ça. Donc j'apprends que j'étais enceinte de Nicolas, mon grand garçon de 5 ans. Et s'en est suivi deux autres, eux autres, ça a collé assez vite, merci par exemple. Un mois, puis c'est. On va dire que. Ce qui, mon, je pense que c'est mon père qui disait ça. Un chemin, il était tracé. Fait que ça a pas gagné. Fait que ça, c'est mon histoire de maternité à moi. Et si vous êtes ou vous connaissez des femmes qui vivent l'infertilité, soyez présents. Juste écoutez. Juste de l'amour, des attentions. Pas de lâche prise, tout va bien aller, là. Ça la performance, il faut dire à une femme, là. Mais vraiment, soyez juste là, puis alimentez l'espoir à ces femmes-là que ça peut arriver. Ça, c'est mon histoire de maternité. Donc, maintenant, j'ai trois enfants, trois garçons, et que ça bouge, ça gaule, trois enfants en 3 ans. Donc, mon grand Nicolas qui a 5 ans, mon Alexis qui va avoir 4 ans en juin, et mon bébé Olivier qui va avoir 2 ans en juin. Donc, très rapproché comme enfant, mais c'est parfait pour nous ainsi. Il y a l'énergie, il y a la vie dans la maison, il y a de la chicane aussi, mais on a une très belle famille et on est vraiment très, très, très bénis de ça. Regarde, c'est le fun. Anne a dit, Anne Marchand, ça y a pris 22 ans, elle. Quel beau témoignage, Anne. Mais c'est ça, hein. Malgré tout, là, reste que notre désir viscéral d'être maman, là, il reste toujours là. Puis le monde qui dit, essaye de pas y penser, je vais vous couper un bras, voir, puis je vais vous dire de pas y penser, c'est un peu le même feeling. Tu sais, je me suis jamais fait couper de bras non plus dans la vie, là. Mais c'est un peu le même feeling, la douleur, là, émotionnelle, là, puis toute la lourdeur que ça peut apporter dans un couple, c'est douloureux, c'est très douloureux. Donc, beaucoup de compassion et d'amour pour ceux et celles qui vivent ça, mais je tenais quand même à vous partager un petit peu, très brièvement, ma maternité à moi, qui a pas été de tout repos, qui a coûté quelques sous, soit dit en passant, mais c'est cliché ce que je vais dire, mais moi, je me rappelle, mon père, il me disait tout le temps, c'est sûr, Catherine, là, tu vas en avoir un à un moment donné, c'est sûr, c'est sûr. Puis, tu sais, il était super positif, puis on dirait que je rejetais ça, j'étais comme, ben non, tu sais pas quoi tu parles, papa, là, ça fait 5 ans qu'on est là-dedans. Puis là, il a envie de me dire, genre, j'avais raison. Tu sais, la phrase que aucun enfant aime entendre, là. Donc, c'est ça. Donc, beaucoup, beaucoup d'amour pour tous ceux et celles qui le vivent ou qui l'ont vécu. Mais vraiment, c'était pour ça. Oh non! Non! Sylvie, va-t'en pas tout de suite! Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui pour ma maternité. Mais on a toute une histoire avec notre maternité. On a toutes des histoires par rapport à notre grossesse, qu'on a aimé ça ou pas. Moi, je vous avoue que je suis pas patiente dans la vie. Donc, moi, déjà, à 10 semaines, j'aurais été prête, là. T'sais, c'est long, là, une grossesse. Ça m'a confrontée aussi avec la prise de poids qui vient avec une grossesse, dans le sens que j'ai déjà pesé 217 livres. Donc, de reprendre du poids, ça venait chercher un petit peu des vieilles blessures, des vieux combats que je pouvais avoir. Mais somme toute, ça a super bien été. Mes accouchements, c'était des super de beaux accouchements, même si mon premier, ça a pris 3 jours avant que j'accouche. Les deux autres, c'était genre, c'était quasiment un fast-food, là, de bébé, là. C'était genre, tu commandes, là, puis ça sortait. Mais c'est ça. Donc, on a toute une histoire de maternité, puis je voulais vraiment prendre le temps de nous célébrer en tant que maman, de corps, de cœur, des taties, des mamies, des marraines, des amis, des futures mamans. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de nous célébrer aujourd'hui, avec ce live popote-là, donc c'est ma méga introduction, je me rends compte, mais je voulais vraiment prendre le temps de faire ça aujourd'hui avec vous. 37 heures, Manon. Moi, c'était deux déclenchements qui ont rien donné. Le bébé, il voulait pas sortir.
deux déclenchements. Puis à un moment donné, on fait comme, ben là, il veut pas sortir. C'est un petit tanguy, ton enfant. Fait qu'ils ont crevé la poche des os, puis c'est là qu'il a commencé à faire comme, oh, je vais peut-être sortir finalement. Fait que, ouais, ça a été un 3 jours à l'hôpital. Rien pour. Ben, pas rien pour, mais afin qu'il sorte. Tu sais, qui scrape le passage en y allant. Oui, c'est sûr, Claudine, mais c'est pour ça que je désirais en parler de mon témoignage de maternité, parce que quand j'étais là-dedans, je me sentais tellement seule. Puis voir les autres mères tomber enceintes de même, ou voir les femmes enceintes, là, est-ce que je tombais envieuse, là? Puis je tombais dans une espèce de comparaison malsaine, là, puis ça venait, moi, là, me gruger émotionnellement. Fait que j'espère vraiment que ça peut toucher des femmes qui vivent ça ou qui ont vécu ça. Mais là, on va aller dans la joie et la bonne humeur avec une recette et plein de cadeaux. Ça fait plaisir. Merci. Je suis contente que ça vous plaise. En tout cas, c'est vraiment tout en transparence que je fais ça. Peut-être la fatigue me rend un petit peu plus vulnérable aujourd'hui. Ou peut-être plus émotive. Donc, on a plein de cadeaux aujourd'hui. Puis quand je disais la manière de fonctionner pour le tirage des cadeaux, c'est que ça va être en direct. Chose importante, ça va être important de le partager. Et ça va être important aussi, si vous êtes la gagnante, OK, de m'écrire en privé. Habituellement, c'est moi qui vais écrire aux personnes qui ont gagné. Mais là, comme il y a plusieurs cadeaux, c'est sûr que je vais vous oublier. Je vais prendre des notes à la limite, là. Mais c'est sûr que je vais vous oublier. Fait que si vous gagnez, écrivez-moi s'il vous plaît, parce que c'est ça. J'ai une mémoire de Nemo. De Nemo, pas Doris. De Doris. Donc, pour commencer, pour vous faire aguicher, il va falloir vous rester connecté là, si vous voulez les cadeaux, OK? Je suis de même aujourd'hui. Donc, on va commencer par la recette, OK? Vous allez voir, c'est super simple comme recette. Très, très simple. Il y en a déjà certains qui la connaissent. Je vais commencer par ça. Une casserole, une petite casserole, une spatule, et là-dedans, il brûle. On va commencer par quelques ingrédients super basiques. Donc, il nous faut pour ça, je vais l'écrire à la fin, là. Il nous faut 2 caramels, 2 aéros, 2 tiers de tasse de guimauve miniature et 1/2 tasse de crème 35% fouettée. Fait qu'on commence tout simplement avec... Bon, on va commencer en... Allô, allô! Bon, quatrième, ça doit passer plus vite. En tout cas, moi, le plus vite, ça a été mon deuxième. Honnêtement, là, même le matin, il n'en revenait pas. Mais, grosse histoire. Je suis passée de 6 à 10 en 5 minutes, là. Ça a été incroyable. Donc, 1/2 tasse de crème, 35% fouettée. Et, je vais essayer de ne pas en mettre partout à part. Je viens de passer à la balayeuse et laver mon planche. Et 2 tiers de tasse de guimauve miniature. Si vous avez des guimauves régulières, là, faites juste les couper avec des ciseaux, là, jusqu'à temps que ça remplisse en 2 tiers de tasse. Fait qu'on remplit ça, puis on va mettre ça sur le feu, à feu moyen. Moyen, à peu près. Fait que ça, c'est la première partie, vous allez voir, c'est super simple. Fait qu'on va continuer à jaser, tandis que... Oh non, c'est pas vrai, je pourrais faire ça en attendant. Deuxième étape. 2 céramiques, 2 aéros, ouais, Émilie. Deuxième étape, ça va être pour notre fond. On va dire ça de même, là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai pris des photos tantôt, là. Ouais, celle-là est peut-être un peu mouvement, là. Au départ, il y avait une boule de crème glacée là-dessus, ça paraît pas, là. J'essaie de vous envoyer la photo en commentaire, c'est ça que je vous parle. Mais on a un petit fond de croûte chapelure, la mousse. Là, il y avait une boule de crème glacée, là. Fait que Véro, j'espère que ça te dérange pas de manger la crème glacée fondue, là. Puis, un petit soupçon de Baileys dessus. Fait que, c'est ça. Mais là, un matin, j'ai pensé qu'on aurait pu faire aussi une croûte de bretzel. Ça aurait été très bon, mais là, en tout cas, j'ai été pour la chapelure grande, là. Tu sais, tout le monde aime ça, là. Mais on va faire notre fond, puis je vais essayer de vous envoyer dans les commentaires, en même temps que je vous parle, la photo du résultat crème glacée pas fondue. Donc, attendez un petit peu. Je sais pas si je suis capable de
En même temps, ah, ben oui. Je peux-tu regarder mon propre direct, moi, là? Ah, ça m'énerve de me voir en diffusion de même. Ah, c'est dégueulasse. Attendez un petit peu. J'aime pas ça me voir dormir. Ok, je vais-tu être capable? Ah, mais non, je peux pas, mon Zeus. Je vais essayer de répondre à quelqu'un, va. Ah non, je m'écoute en double. Ok, ça marche pas. Vous me montrez la photo à la fin ou pas? Donc, pour la croûte, je viens de checker mes notes. Ce que j'avais écrit. Ok. Ça, c'est où j'ai mis mes tartes? Ok. Il faut 3 quarts de tarte de chapelure grande. Ouais, c'est une recette un peu cochonne, on s'entend, là? Cochonne aphrodisiaque, on va dire ça de même. Si on a le droit, ça fait des mains, on a le droit de se gâter. Donc, 3 quarts de tasse de chapelure grande, mais ça pourrait être très bien aussi en passant des bretzels qu'on a réduits en fine chapelure. Là, ce serait très bon le mélange de sucré salé aussi. Je dis ça de même. J'avais écrit quoi d'autre? Donc, comme ingrédient. Justement, 2 cuillères à soupe de sucre. Ma cuillère à soupe, elle est ici. Donc, je vais essayer de vous montrer en même temps, là. Excusez. OK. 2 cuillères à soupe de sucre là-dedans. Et 3 cuillères à soupe, bol d'enfant, de beurre slash margarine fondue. Donc, 1, 2, 3, 5. On a juste à mélanger le tout. Puis on va déposer ça dans le fond de nos verrines, nos bols. Allez-y, avec ce que vous avez, là, vraiment. Là. Donc, on fait juste mélanger ça et déjà, ça sent très bon. Oui, je vais publier la cochonne. J'ai lu deux commentaires en même temps. OK, oui, je vais publier la recette. Je vais publier la cochonne. Hey, salut! On est vendredi, OK? Mais oui, je la publie après, sans problème. Puis je vais commencer à faire un tirage de cadeaux quand on va avoir 600 personnes. Fait que là, il faut que vous invitiez vos chums de filles à venir, OK? Si vous voulez qu'on commence les tirages. Fait qu'à 600, si je le vois pas, faites-moi signe, criez. Faites des cœurs partout, puis faites de quoi quand on a 600 personnes. J'avais amené des bols qui ont disparu visiblement. Juste mélanger ça ici. Hey, c'est où j'ai mis mes bols? En plus, j'ai dit tantôt à mon mari. Ah, c'est où j'ai mis ça? Bon, je vais chercher mes bols qui ont sûrement resté là-bas. Bon! Excusez-la, elle était dans le poulet. Je vais juste mélanger ça dans le fond. Là, ce qu'on veut ici, là, c'est juste chauffer la crème avec la guimauve. Puis pour ça, la cuisson à feu doux jusqu'à temps que les guimauves là, soient toutes fondues. Fait que là, on voit qu'elles ne sont pas toutes fondues. Il en reste pas gros, par exemple, OK? Il en reste genre 30 secondes. Je vais baisser le feu tout de suite. En attendant, je vais remplir mes petites verrines. Bol. Voyez-vous bien? OK. De la chapelure, je vais faire une petite pression. Fait que cette recette-là, là, je vous le dis, elle donne deux grosses, ben grosses, deux portions généreuses. Ou 4 petites. Fait que ça dépend à quel point vous voulez aphrodisiaque pour ce soir, la Saint-Valentin, un vendredi. Comment ça vous tente de vous gâter? Vraiment, allez-y au filet. Fait que je fais juste, comme vous voyez, là, tu sais, faire une petite pression sur le top. Je vais faire ça comme ça. Puis le reste des portions, je vais faire pour les enfants. OK. Là, ici, on voit que la guimauve, elle a bien fondu. Donc, je vais poser mon comptoir. Vous voyez, OK. Et là, la seule chose qu'on a à faire là-dedans, c'est couper les barres comme ça. Donc, 2 aéro, 2 caraniques. Qu'on essaie de pas jeter à terre sur un plancher propre. Mon plancher est propre et nous, c'est nous autres qui va le manger. Donc, je suis capable de l'ouvrir. C'est un dessin en cochon, là. Hein?
C'est un petit dessert cochon qu'on a le droit de s'offrir pour la fête des mères. Je veux dire, on se fait en quête à longueur d'année pour faire plaisir à toute notre famille. On a bien le droit de se récompenser avec ça. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, en tout cas, moi, je suis. Avec moi. Allô, Nathie! On a eu 600! Oh, yeah! OK! Fait que là, j'ai mis mes deux céramiques, mes deux héros. Ah, j'ai oublié, j'ai un bébé qui dort. Moi, je crie comme une... On met nos deux céramiques et nos deux héros. Et là-dedans, c'est notre version aphrodisiaque. Là, OK, moi, je suis pas connaissante dans les alcools forts. Pour moi, c'est un alcool fort, cette histoire-là. Fait que... Ça pourrait... je connais pas assez ça. Du tiamaria, tu parais comme du balaise. Je suis comme pas sûre. En tout cas, ça pourrait être du courant des bois. Puis les genres d'autres crèmes à café, là. Là, un matin, j'ai fait un test avec 3 cuillères à soupe. OK? Parce que j'ai fait un test avant. Fait que si vous aimez vraiment le goût plus de l'alcool, allez-y avec 3. Mais moi, à mon goût, vu que j'aime pas beaucoup quand ça goûte trop, je vais y aller avec 2. Fait que si vous voulez plus aphrodisiaque pour asseoir, mettez-en 3. Puis si vous voulez plus mollo, allez-y avec 2. OK? C'est vraiment au goût. Mais à 3, ça goûte quand même assez le Baileys, OK? Mes coureurs des bois, tiens, Maria, mais je dis ça, je sais même pas à quoi ça ressemble. Je connais pas ça. Fait que je vais rien que poursuivre la cuisson jusqu'à temps que tout le chocolat soit bien fondu. Bon. Fait que là, on va être prête pour prendre la tédo! Ah, tiens, Maria, c'est clair. Où? Je savais pas. Coureurs des bois, c'est pas clair, ça. C'est comme une crème, me semble. De mémoire. Hey non, mais Nicole, pour vrai, là, elle que j'ai faite un matin, ça goûte vraiment de belles, OK? J'ai goûté parce que j'avais peur qu'en rajoutant un liquide en cette quantité-là, que la mousse pogne pas. Fait que j'y étais pour 3, puis ça a bien pogné. Mais ça goûte quand même pas pire. Tu sais, mon gars, tantôt, je faisais le montage pour les photos, puis il me dit, je vais y goûter. J'ai comme, non, tu peux pas, tu peux pas. Pourquoi? Ben, c'est comme s'il y avait de la bière dedans. Tu sais, lui, si je dis qu'il y a de l'alcool, il comprenait la colle. Il dit, il y a de la colle? Non, il y a de l'alcool. Il y a de l'alcool! J'ai comme, non, il y a de l'or. C'est comme s'il y avait de la bière là-dedans. Tu peux pas, c'est pas bon. C'est ça pour mon goût. Là, j'ai jeté ça dans le sink parce que je vais faire mon ménage après. Fait que là, on laisse rien que le chocolat fondre. Pas en rester ben. Je vais essayer de rompopper. Fait qu'on va être prêt pour un coureur peut-être en crème et liqueur comme whisky. Ah, la maroula, c'est vrai. Ah non, Amélie, sans alcool, c'est super bon. Mais si tu le fais sans alcool, Amélie, là, vas-y avec une demi-tasse de crème, une demi-tasse de guimauve, deux barres. Parce que moi, je vais en préparer pour mes enfants, parce que là, visiblement, ils ne pourront pas manger ça, là, à cause de l'alcool. Mais oui, sinon, moi, ça se fait très bien de même. Courant des bois, c'est épais, mais ça doit être un peu la même texture que ça, j'imagine. Y a-t-il un verre, là? Tu sais, c'est quand même. C'est quand même épais, là. Ça sent. Ah, excusez, j'aime. Mélanger, c'est bon, là, mais me semble d'amour. Là, c'est incroyable. Ah oui, j'en ai tellement entendu parler. En plus, Michel, de ce produit-là, c'est vrai. La Saint-Crème. Il n'y a pas un autre aussi de. Nicolas du Vernois avec chocolat favori, là, qui ont fait de quoi? C'est ça? Ah, hey, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai, Cindy, t'as raison. J'ai pas, même pas pensé de m'acheter. En tout cas, au pire, je vais l'offrir à un ami. Là. Mais oui, c'est tout bon pour le diabète, ça, Benoît. Ouais, la glace, j'en ai peut-être pas. Bon. En tout cas. Mais j'avoue que Cindy avait une belle version avec ça. Donc là, le chocolat, il a fondu, comme vous voyez. Il est vraiment homogène. Là, moi, j'ose pas le mettre tout de suite là-dedans. Parce que je sais pas si ça va pas casser à cause de la chaleur. Fait que si vous avez des plats qui résistent à la chaleur, vous versez directement dans vos virines. Mais moi, j'oserais pas parce que je les ai jamais testés ceux-là. Puis ça me tente pas que ça éclate en direct. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça au frigo. Puis c'est au moins un 3-4 heures.
vous allez voir, la texture va vraiment beaucoup changer. Elle va devenir plus claire et beaucoup plus mousseuse. Okay? Mais là, pour là, je ne le ferai pas. Je vais vous montrer à quoi ça sent après. Donc, une fois que c'est figé, donc j'avais mis ma croûte champlure un matin. J'ai fait ma mousse. Puis là, vous voyez la mousse, là. T'sais, ça coule pas. C'est très, très, très onctueux. On dirait quasiment du Nutella. Donc, dans le fond, vous mangez ça comme ça. Tout simplement, c'est rien que ça, la recette. C'est très simple. Et ce que j'ai pensé faire, pour rendre ça encore plus cochon et plus aphrodisiaque et plus enrichissant, tu sais, fait qu'à y être, c'est de rajouter là-dessus une belle petite croûte de crème glacée. Et, c'est vrai, j'avais ça. Et j'ai râpé un petit peu de aéro. Puis tu mets ça sur le top. On met ça de même, là. Tu mets ça sur le top comme ça. Et le verreau, ça va être ta portion. Et rien que pour faire plus cochon, là, tu mets rien qu'un petit filet de Belize là-dessus. Fait que là, c'est plate à cause que. Hey, Véro, je pense que je vais t'en donner qu'une portion. Je vais donner la portion la moins fondue, là. Je la mets dans le congélateur pour que tu viennes la chercher tantôt. Okay? Fait que moi, je vais goûter à la version. La version un peu poète, là, qui a fondu, OK? C'était pour le shooting, on comprend. Je viens y goûter. Mais je sais, ça va être bon. Oh boy! C'est ben trop bon. Faut que je l'enlève de ma face, sinon je vais tout le manger. Bon, ça va être mon dessert de fête des mères pour asseoir. Mais je vous le dis, là, avec ou sans alcool, ça va être bon. Si vous le faites sans alcool, comme Cindy me disait, là, je sais pas où tu as vu ça, du Belize sans alcool, ça doit être dans les crèmes à café, j'imagine, hein? Vous pouvez y aller avec ça. Ou sinon, vous y allez simplement une demi-tasse de crème, une demi-tasse de guimauve, deux tablettes de chocolat de chaque sorte. Donc, deux caramels, deux aéros. Oh, c'est même trop bon, c'est pas bon. C'est un petit peu cochon. Je sais, Lucie, en plus, j'adore le chocolat. C'est pour ça que je l'ai fait. C'était pour me gâter, mais je sais, vous êtes une coupelle de bébé tassu qui cite. Fait qu'à un, je vous gâte aussi. Dans le fait même. Fait que, Véro, je sais pas si tu m'as écrit, mon ordi est fermé, là, mais tu m'écriras. C'est ça. Faire une petite livraison spéciale. Jonathan va être gâté à soir. Il va pouvoir y goûter. Je parle du dessert, évidemment. Là. C'est ça ma recette pour la fête des mères. J'aurais pu en faire deux autres, là. On s'entend qu'aujourd'hui, je voulais vraiment me concentrer à passer du bon temps avec vous. Oui, tirage, Joanne! Exactement. Excusez, on a juste un petit intrus. On va le bloquer avant. Donc, pour les tirages, comme je vous ai dit, on doit partager. Je vais ouvrir mon ordinateur en même temps que je vous parle. Excusez, sois pas long. C'est dans mes folles, on est folles de monde! Hey, Carole, bonne fête à l'avance! Là, on est le 7. Fait que c'est bientôt ta fête. Ah non, faut vous l'essayer, cette recette-là, c'est malade. Sérieux, là. Puis quand j'ai goûté un matin, là, à ma mousse, là, avec 3 cuillères à soupe de Belize, il me semble que ça coûtait beaucoup de Belize, mais quand j'ai goûté, là, dans la verrine, c'était pas si pire. En tout cas, ça dépend de votre goût, là, l'alcool là-dessus, là, mais c'était pas si pire, honnêtement. Ça avait ben allure. Fait que, comme premier tirage, on va faire tirer un produit, évidemment. Je suis capable de me voir en live. Ah, ça m'énerve de me voir de même. Caroline, que c'est lit. Excuse-moi. C'est vraiment féminin ce que je viens de faire. Hey, c'est ta fête hier, Isabelle. Bonne fête! Donc, comme premier cadeau, je vais vous faire découvrir une entreprise qui est de mon ex-belle-sœur. Donc, l'ex-conjointe du fils de la femme du père à mon mari. Vous avez compris ou pas? C'est pas grave. Donc, son entreprise, c'est MC Bedon Création. C'était à Saint-Georges-de-Beauce. Marie-Christine Leroy.
a fait des shootings photos, des décalques, a fait tellement de plein de produits sur la maternité, des séances photos de, comment on appelle ça, du bain thalasso, shooting photos de grossesse. C'est, attendez, ouais, c'est tout le temps elle, à nos trois enfants, qui a pris nos photos de bébés naissants. Donc, vraiment, je l'aime beaucoup, Maricine. Elle est super dévouée. C'est aussi une maman de trois jeunes garçons. Donc, elle a le cœur. Elle est super. Elle met à l'aise. Elle est funny. Elle est vraiment quelqu'un de très, très, très... pas spécial, mais quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. Et son entreprise aussi, c'est MC Bedon et Création. Je vais essayer de vous l'écrire en même temps. Je ne sais pas si je vais être capable, par exemple. Bedon... Et... OK. OK, je l'écris en même temps. Donc, le premier cadeau, c'est simplement un espèce de verre isothermique. Super scintillant. Il me semble que je me verrais l'été avec ça. Donc, c'est écrit Mom Life. Donc, dit Mom Life. Donc, tu peux mettre là-dedans limonade, un petit café, petit cocktail, n'importe quoi. Puis là, tu sirotes. Je le ferai pas parce que c'est à vous, là. Donc, super beau, gros format. T'es pour la maman caféinomane comme moi. C'est pas pire. Donc, un bel, justement, un verre isothermique, de belles couleurs estivales aussi, super paillettes, super féminin, on aime ça. Donc, on a ce premier prix-là à faire tirer. Et, comme première question, pour le gagner, OK? Je rappelle, c'est important que la gagnante m'écrive en privé. Moi, ça a l'air fou le bête, là, mais je ne vais pas courir après la gagnante, OK? Donc, si vous gagnez, je vais prendre des notes au pire, là. Puis, c'est vraiment la première personne que je vois écrire sur mon cellulaire qui va gagner. Première question. Combien d'inséminations artificielles on a eu, mon mari et moi? Première question. C'est la première que je vois ici, OK? Non. Non. Hey, t'es là, sérieux? Bravo, Annick! Good! Sept inséminations et une FIV. C'est pas pareil, c'est pas même affaire. Fait qu'Annick, écris-moi en privé sur Roxane à commercial maigrir sans fin, FIM.com. Je vais t'écrire comme nom pour être sûr que j'oublie pas là, en même temps. Je sais où j'ai mis ma note. Hey, sérieux, je me cherche. OK. Donc, Annick Tremblay. Peux-tu me dire, Annick Tremblay, t'es de où? Annick Tremblay est égale à MC. Bon! Non, c'était 7 fois. Donc, c'était beaucoup. Non, il se rend plus jusqu'à 10. Mais comme je disais, Chantal, moi, c'est la première réponse que je vois sur mon téléphone, puisque même si je regarde aux deux places, c'est... Je veux dire, il y a tant un décalage, fait que je me fie à mon cellulaire, OK? Puis je le fais pour vous gâter, puis je veux pas que ça fasse de bisbille ou de chicane, fait que vraiment, là, prenez-le pas personnel, c'est pas à cause que j'ai pas vu votre réponse, c'est vraiment la première réponse que je vois. Si on voit que ça fait trop ce bisbille, au pire, je vais garder les cadeaux pour moi. C'est une blague. Donc, OK, deuxième cadeau. C'est une belle grosse boîte découverte de Olive Gourmandise. Donc, ici, je ne sais même pas c'est quoi, OK? Huile d'olive, coriandre et oignon. Oh, ça doit être bon, ça. Balsamique blanc, poire et canneberge, il est débile. Huile d'olive, lime de Perse, que j'utilise souvent. Balsamique blanc de pamplemousse, ça doit être super pour des recettes de salade. Ah, c'est ça qu'elle disait, ouais. Huile d'olive chipotle et le balsamique expresso. Puis quand on a fait le webinaire mercredi, Catherine Veilleux de Olive et Gourmandise, elle disait que ça plus ça, là, donc chipotle plus expresso,
Ça faisait des super bonnes marinades pour le steak. Je ne savais pas. C'est rare qu'on mange du steak, donc à essayer. C'est quand même d'une belle valeur, là. Fait qu'un gros merci à Catherine aussi, puis à Marie, Marie-Christine Leroy. Donc, question, question, question. J'en ai pas de questions. OK. Et attendez, là, j'ai pas de questions. Ça va bien, hein? Je vais faire des tirages, je sais même pas quoi poser. En passant, là, si vous la gagnez pas, vous avez 10% de rabais anyway avec mon code promo RUSS10. Fait que, je dis ça de même, la livraison, c'est pas rapide. Ces huiles-là, Paulette, c'est Catherine Veilleux de Olive et Gourmandise. Je sais pas, on le voit-tu? Oui, ici. Mais là, vous voyez à l'envers, c'est Olive au pluriel et Gourmandise au pluriel. Tirage au sort. Ouais, mais Annie, vous êtes 600 personnes. Je peux pas avoir le temps de vous écrire. OK. Ah, je peux voir les partages. Attendez. OK, je vais me fermer les yeux, là. Je vous le promets, OK? Fait qu'il faut partager. Je vais faire ça de même. Ça va plus se faire, puis je vais vous montrer sur mon écran, OK? Fait que là, on est rendu à 240 partages. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais dérouler mon menu en vous regardant ici, puis on va arrêter sur le nom, le plus proche de la souris. OK? Êtes-vous prête? Attendez un petit peu, là, je viens de rafraîchir. Fait qu'il faut partager! OK? Partagez-le, là. Je vous laisse une minute. Bon, 30 secondes. OK. Fait qu'il faut partager. Ça va marcher de même aujourd'hui. Bon. OK. Je compte jusqu'à 3, mettons. 1, 2, 3. Puis je vais me montrer sur mon ordi pour être sûr que vous voyez que c'est pas de la triche. Fait que la souris est proche de Françoise Major Pilote. Excusez. Françoise Major Pilote. Qui gagne le coffret de Olivier Gourmandise. On va marcher de même, comme ça va plus se faire, OK? Mais là, il faut vous partager, là. Si vous partagez pas, c'est sûr que vous gagnerez pas. Françoise Major. Merci de m'écrire en privé, s'il vous plaît, Madame Pilote. C'est égal Olive plus Gourmandise. Bon! Yeah! Bravo! Félicitations! OK! Avant de poursuivre, je vais attendre qu'on soit 625. Pour vous faire un autre tirage. Là, je vais insérer ma crème glacée. J'avais complètement oublié la crème glacée. OK. Avant de poursuivre, vu que c'est un live qu'il ne faut pas pour célébrer la femme, j'avais envie de vous partager des témoignages super, je trouve, motivants de femmes, de clientes aussi, mais de femmes comme vous. Qui ont réussi à perdre du poids, parce que si vous êtes à la première fois que vous m'écoutez, vous savez pas ce que je fais dans la vie, tu sais, je suis pas une influenceuse non plus. En tout cas, les influenceuses de ce monde, on s'entend que c'est pas tout le temps très simple. C'est une autre histoire. Mais moi, je produis des magazines de recettes culinaires. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une recette avec vous. C'est à cause que c'est ça que je fais de ma vie, de cuisiner et de foutre le bordel dans ma cuisine. Donc, j'avais envie de vous lire quelques témoignages de personnes, peut-être qui sont déjà présentes en passant en live. Moi, j'ai pas tous les noms complets. Je veux vraiment garder juste le prénom pour côté confidentialité. Mais la personne que je lis un témoignage en passant, elle m'a donné le OK. Mais là, je commencerai pas de dire à quel âge, puis elle vient de où, puis c'est quoi son adresse email. Je vais venir me donner le prénom de la personne. Donc, Nicole Poulain. Vous allez voir, il y a plusieurs noms qui reviennent. C'est pas la même cliente, c'est une que... J'ai plusieurs clients qui ont le même nom. Je vais bien. Je cuisine tes recettes et suis à moins de 18 livres en 2 mois. Avant, je trouvais ça poche que ça prenne 2 mois. Je voulais que ça aille vite. Mais le problème est là, justement. Tu pars vite, mais tu reprends vite en s'il vous plaît. J'ai enfin compris avec un émoticône qui rit. Voilà, c'est super magnifique. Magnifique. Suis tellement contente de moi. Même pas goût de malbouffe, de clignoter le soir non plus. C'est-tu pas merveilleux ça? Merci, Roxane. Tes recettes sont succulentes. Là, je les ai imprimées pour vraiment vous montrer l'authenticité de la chose. On s'entend, j'ai pas du temps à perdre à ce point-là. Donc, ça, c'est le témoignage de Nicole. Je vais continuer. Je trouve ça beau de voir le témoignage. Moi, je vous l'ai dit souvent, c'est vraiment en lisant le témoignage que ça m'a donné un déclic de perdre du poids une fois pour toutes.
Ça bouge, qu'est-ce qui bouge? Mais elle va être au ralenti. Ben voyons donc. Hein? Ça bug-tu de votre côté? Dites-moi là, s'il vous plaît. On a Chantal par la suite. Oh non! Ça n'a pas marché, son... Ça n'a pas marché, en tout cas. Chantal sera une autre fois. On a Véronique. C'est-tu correct, ce que vous me voyez comme du monde? OK. Vous me rassurez, parce que là, je ne vais pas parler tout seul non plus. OK, merci. On a Véronique. Allô, ma belle Roxane. Je te remercie pour l'offre. Je suis abonnée pour recevoir tous tes magazines à chaque fois qu'il y en ait un nouveau que tu sors à toutes les saisons. J'adore toutes tes recettes. Je suis rendue à 6 livres de perdu. Et moi, et mon chum. On raffole tes recettes. Hier soir, pour souper, j'ai fait de la morue au quinoa, qui est dans le Detox 5, de mémoire. Et au parmesan, de ton tout dernier ton. Et ça fait 2 fois que je fais la recette. Elle est succulente. Les barres moka... Ok, oui, c'est Detox 5. Les barres moka aussi, le pain de viande encore miam. De plus, la recette de poulet aux pommes est à l'érable merveilleusement bon. J'ai remplacé le filet de poulet par du filet de porc et mon chum a capoté sur cette recette. Salade de frites, tout est miam et la salade de saucisse, très bon. Je suis tes live, fait que peut-être que Véronique est là. Continue ton beau travail, tu es inspirante, tu donnes toujours le goût de concocter de bons repas et de merveilleux desserts. Donc, Véronique et son chum avaient déjà perdu 6 livres avec ça. OK, on a Audrey Maranda. Hey, ça, c'était venu chercher ce témoignage-là, vous allez comprendre. Bien le bonjour, Catherine Roxane. Imagine-toi donc, c'est une fille de Québec qui m'a fait connaître, et je viens de Saint-Georges. J'ai toute ma vie fait des régimes très stricts, sans vraiment de résultats, et surtout dans la privation et la tristesse. J'ai découvert tes recettes et la revue. J'ai embarqué toute la famille là-dedans. Laisse-moi te dire que je n'ai plus le goût de manger ferme. Tes repas ont tellement de saveur. J'ai perdu 10 livres en 2 semaines et mon conjoint 12 livres en 2 semaines. C'est merveilleux. J'en parle à tout le monde. Je suis en train de découvrir une alimentation saine et goûteuse. Je capote. Grâce à toi, je vais perdre les livres que j'ai besoin pour avoir accès au service de CHU en fertilité pour un projet bébé. Fait que ça, c'est ça, c'est venu me chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis Audrey Maranda, en plus, ça fait super de beaux bijoux. Soit dit en passant. Hey, ça baisse, ça baisse. Moi, ça me dérange pas si vous quittez, mais si vous quittez, vous partagez, vous participez plus au live, là. Je dis ça de même. Attends un peu. Excusez. J'ai un ami qui m'écrit en même temps. Bon. Le fromage Alumi Linda, ça se trouve vraiment dans la section des fromages Québec. Ben, québécois. Vraiment que la section des fromages charcuterie à l'épicerie, ce fromage à griller, t'as 2 sortes, généralement t'as l'alum pis t'as le doré. Donc, ah oh non, José! Ah oh non, il y en a plein, il faut qu'il retourne au travail. Mon Dieu, excusez. On va faire tirer, ok. Là, on a 4 certificats de chez Vicky. Et mon haut, en passant, ben en fait, mon haut et mes pantalons, ils viennent de chez Vicky, payés avec mes sous. Ça, c'est du blue paper. Les pantalons ne m'arrêtaient pas. Donc, c'est pas trop cher. Moi, je trouve ça full féminin. Ça a l'avantage, je trouve, les femmes qui ont une poitrine menue. Je vais dire ça comme ça. Là. Bon. Puis je trouve ça super féminin avec la petite dentelle, tout ça, en tout cas. Fait qu'on a 4 certificats à faire tirer de chez Vicky, chacun d'une valeur de 25$. Puis je vous dis, c'est drôle parce qu'un matin, j'avais rendez-vous chez l'optométricienne avec mon grand. Puis j'avais fait une commande chez Vicky de shorts noisimés à 35$, des belles shorts, là. Taille un peu haute, mais tu sais, ça te cache les cuisses. La mode genre... Tu vois la rebord de fesses, là? Moi, je suis pas rendue. En tout cas, je suis pas rendue là. Je serai jamais rendue là. Mais vraiment, des belles jeans pour les femmes. Tu sais, c'est chic. Taille un peu haute, fait que ça te ramasse le ça, là. Puis, assez longue. Donc, tu sais, ça fait pas une espèce de bourrelet de cuisse, là. 35$. Je dis ça de même. Fait que vous reste 10$ à débourser. Fait que j'en ai 4 pour faire tirer pour vous. Jolie Christine, ce gilet-là. C'est que je n'aimerais pas ce que tu as écrit parce que je ne veux pas fâcher personne. OK? Mais Vicky, elle a un gilet qui fait des
belle ça. Là, excusez, il y a un spammer depuis tantôt, ça m'énerve. OK. Les manques, la craque. Les quoi? Ouais, je l'ai vu, les quoi, Caro? Les manques, la craque? Pas sûr. Merci, Joanne. Ça bug. Fait qu'on va recommencer à faire le tirage encore comme j'ai fait tantôt, comme ça, ça va être moins frustrant pour tout le monde. Fait que là, il faut vous partager là. Là. Parce que je vais faire les quatre tirages pour les quatre sorties de coupe de chez Vicky. Hey, si ça partage, vous êtes donc bien en feu! OK. Je vais compter jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Je descends ma souris en même temps. Je regarde même pas avant ça. Donc, ma souris est où? Elle est où, ma souris? Ah, OK. It's it. Là, vous voyez, là, c'était pas mal en... Hey, regarde, ça va être un attaché à Solange, OK? On fera pas de chicane, là. Nap, puis Solange, qui gagne. 25 piastres de chez Vicky, là, vous voyez, je trouve ma feuille de nom, là. C'est où j'ai pris ma feuille de nom? Excusez, vous avez vu mon bordel, là? Natacha puis Solange, OK. Hey, ils sont où, mes noms? De tantôt. OK. Nat. Solange Pierrot. Donc, vous avez 25 $ de chez Vicky. Je vais écrire Vicky. On continue. Je redescends plus bas. OK, je regarde pas. Je compte jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Excusez. Ça marche pas, excusez. C'est qui? Lynn Bernier. Donc, écrivez-moi en privé en passant à la madame. Donc, Lynn Bernier, si vous le réclamez pas, vous le gardez. Donc, Lynn Bernier. Puis, je vais recompter jusqu'à 7. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voyons, crème, excusez, je lui en mets de la misère. Nilda Bouchard. Donc, Nilda Bouchard aussi, merci de m'écrire en privé. Bravo, les filles! En tout cas, Natacha, ça te fera pas loin d'aller magasiner parce que tu viens de Saint-Martin, je pense. Nilda qui, j'ai dit? Bouchard. Bon! Puis là, pour ceux et celles qui savaient, ou pas, Vicky, elle va déménager parce qu'ils sont trop populaires. Fait qu'ils ont besoin de plus d'espace. Mais c'est vraiment 50% de ma garde-robe, c'est chez Vicky. Les jeans, je vous le dis, là, ça fait des fesses même pour eux autres qui n'ont pas comme moi. Puis ça fait bien, c'est taille haute, c'est fun, c'est les meilleurs jeans que j'ai jamais acheté de ma vie. Je vous le dis, là. Donc, vraiment, 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 une boutique à découvrir. Mélanie est super fine. Elle fait des lives deux fois par semaine. Elle fait tirer des prix. Donc, vraiment fun. Ensuite, j'ai... Ça, c'est quand même une valeur de plus de 150 $, OK? Et c'est des produits approved. Dans le sens que ça vient de chez Azure Bar Soins Ongles Esthétiques. Kayla, elle travaille là, je ne sais pas si c'est encore là. Quand Catherine, elle me maquillait pour mes magazines, pour les shootings de magazines, j'ai la face sec dans la vie. Que veux-tu? Je veux dire, à force de courir autant l'hiver que le printemps, que l'été, je viens la face sec. Je suis comme un raisin sec de la face. Fait qu'on a besoin de me réhydrater. Puis dans cette boîte-là, c'est des produits que j'ai déjà à la maison, acheté avec mes sous. By the way, là, il n'y a pas de collaboration là-dedans. Fait que ça, c'est ma crème de jour et de nuit hydratante. Puis je vous le dis, c'est magique. Moi, j'en mets deux fois par jour. Bon, des fois, je l'oublie une fois, là. Mais ça n'a pas de sens comment ça t'hydrate la peau, puis c'est pas gras. Tu sais, des fois, il y a des crèmes hydratantes qui restent grasses, là, mais elles ne restent pas grasses. OK? Fait crème hydratante de nuit et de jour. Puis c'est vrai, m'a écrit, c'était quoi? OK. La marque, c'est BioElements. BioElements est une gamme basée sur les technologies, mais aussi sur la nature et le respect de la peau. Le kit, donc, comprend une crème hydratante jour et nuit. On a ici, on l'a-tu en français? On a le super hydratant pour les peaux sèches et matures. Donc, une lotion peptide
afin de stimuler la formation de collagène. Là, je lis que ça a écrit, je veux dire, je comprends pas. Et on a ici, ça, c'est le lien que j'ai aussi à la maison. C'est un nettoyant. Donc, on a ça, qui est d'une valeur de 150$. Puis, la semaine passée, j'ai demandé une commande de ça pour moi, parce qu'il m'en manquait. Puis, ça t'offre longtemps, hein? Mine de rien, ça t'offre un 4-5 mois, là. C'est vraiment un petit paire de beaux produits, là. Pas besoin d'en mettre épais. Puis, j'avais eu ça comme cadeau quand j'allais chercher mon... Ben, cadeau. Échantillon, quand j'allais chercher ma boîte. Fait que j'ai envie de vous les faire tirer rendu là. C'est du collagène à boire. Collagène puis la résilience. En tout cas, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, je vous l'offre, OK? Si vous voulez pas, prenez-le pas, là. Mais je vous l'offre parce que je me suis dit, bon, ça va bien compléter tous les produits. Fait que ça, c'est d'une valeur de au-dessus de 150$. Vraiment, pour prendre soin de votre peau, mine de rien, c'est très important. Ça, c'est de Azure Bar Soins et Ongles. La compagnie, c'est Bio Element. Moi, je vous le dis, là, ça fait un an que je suis là-dessus, dans le sens, cette compagnie-là, elle a la crème hydratante, puis ça n'a pas de sens. Avant, là, je pelais la face tellement c'était sec. Si j'avais juste à faire ça, puis tu voyais, genre, les pellicules de peau, là, dégueulasses. Là, on dirait que je t'ai rendu un serpent. Mais avec ça, tu prends tout. Je vous le dis, là, moi, c'est ma marque à moi. J'en ai déjà essayé plein de ça, ta pharmacie. Ça valait pas... en tout cas, pour moi, ça valait pas cher, là. Fait, avec ça, vraiment, ça vaut l'investissement. Je ne me rappelle plus les prix. Vous pouvez les découvrir sur la boutique de Azure Bar Soins et Esthétiques, mais ça vaut tellement la peine. À la place de payer 30$ un petit pot de crème d'une compagnie X qui passe à TV, là, qui vaut rien, là, vaut mieux investir, puis toffer plus longtemps, puis ça vaille la peine. Je vous dis ça comme ça. Donc, on va tirer ça. Je vais faire un refresh, puisque là, vous êtes peut-être plusieurs à avoir partagé pour participer. Parfait, Lynn! Hey, en plus, Lynn, c'est vrai, vous êtes une fidèle cliente, vous. C'est combien? Hey, Elisabeth, attends, tu peux, je vais aller voir, OK? C'est combien quoi? La crème hydratante? Attends, tu peux, je vais aller voir sur le bas, sur le Azure. OK. Je vais aller voir sur leur... sur leur site web, voir. OK. T'as un peu, j'ai essayé de te trouver ça, là. Je m'en rappelle pas, honnêtement. Moi, je regarde même pas au prix, je regarde l'efficacité. J'ai mieux payer plus cher, ça vaut la peine, là. OK. Et là, la crème est attente. Marque. Bio Element. Bon, les produits. C'est pas le masque d'argile certain que j'ai besoin. Attendez un petit peu, j'essaie de me dépêcher. C'est pas ça. OK. Crème d'hydratation. OK. La crème, c'est 56,78. Mais je vous dis, vous faites un. Ah, je me suis trompée. Ouais. OK. La mienne, là, super riche, là. C'est 73$, mais je vous le dis, ça vaut la peine, OK? Je vous le dis. Donc, on fait tirer, là? Faut partager, les filles. Puis là, je fais un refresh de ma page Facebook, parce que je sais qu'il va y avoir d'autres... Est-ce que je vais ouvrir la porte à ça ou j'ai chaud? Bon. Fait que là, on est rendu à combien de partages? Ah, sérieux? Excusez. Je parle à ma belle-sœur en même temps. Elle écoute le live avec ma petite filleule Alice qui a 24 février, mars, avril. Elle a 2 mois et demi. Pauvre petite puce. Allô Alice. C'est comme si elle me connaît. Pauvre petite puce. J'ai tellement hâte de la voir. Bon, OK. Je compte jusqu'à 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Ah! Excusez, on a eu... Ah! OK, excusez. Donc, la gagnante, c'est... Non, regardez pas les pages toutes ouvertes, là. Melcam! Je vais l'écrire, là, excusez. Mon support à cellulaire slash beurre d'épinette a tombé. Bon. Melcam!
Écris-moi en privé, Melcam. Je sais pas c'est quoi ton vrai nom, là. Et tu viens de gagner la belle boîte! T'es chanteuse! Fait que 150 pièces, c'est plus quand même, là. Tu vas voir une belle peau de fesses de bébé, je te le dis. Donc ça, c'est Azur de Melcam. Fait que écris-moi en privé aux autres qui ont gagné. OK? Ça, on les a fait. OK! Êtes-vous prêtes? Si vous avez des questions en passant, parce que là, j'ai beaucoup de commentaires, là. Si vous avez des questions, au pire, vous pouvez, je peux pas vous répondre en même temps. Écrivez-moi en privé, je vais vous répondre lundi, OK? Parce que là, je vais peut-être être tombée en vacances après. En vacances. En congé. Autre cadeau! De Geneviève Bilodeau, joaillière. Ah, regardez comment ça répète beau, mon chelem, Moses. Regardez les belles boucles de règles. Attendez, là, ça zoome trop, là. Fait qu'un espèce de petit blanc crème doré avec du brun. Hey, ça aurait fait cute! Ça aurait fait vraiment beau. Tu sais, juste ça avec une petite robe d'été blanche, brune, beige. Donc, on a ça de Geneviève Joaillière. Donc, on a ça à faire tirer. N'as-tu qu'ils veulent? Fait que je vais... Excusez, c'est à cause que ma belle-sœur m'a envoyé des... Elle a l'air de le trouver bon, mais le live! Excusez! Ah! Sérieux? T'écoutes ça sur la TV? C'est vraiment dégueulasse! Excusez! C'est à cause que ma belle-sœur, en même temps, m'envoie, elle m'écoute en live sur sa TV, genre, c'est dégueu! Puis là, tu vois la petite Alice, ma fille, qui est en train de dormir! Elle me trouve bien plate! Oh, excusez! On est vendredi! Il y a pas de... Il y a pas une panier de l'inchard! Propre, je le sais pas. Oh, tu fais ma journée, merde! Oh, boy! Ah, ok. Ah, bon. Ah, fait que les boucles d'oreilles, oui, oui, oui. Hey, j'aime pas ça me rendre différé de même en plus, son vidéo. Oh, excusez. Bon. Boucle d'oreille de Geneviève Bilodeau, joaillière, qui est à Saint-Georges sur la première avenue, juste dans le même bâtisse que Histoire de Bulle. Puis Geneviève, sérieux, elle a tellement des beaux bijoux pour femmes. Elle a aussi pour hommes. Puis moi, j'en ai-tu ici? Je pense que je les ai mis ici, hein. Elle a full des belles montres pour enfants. Ça, c'est la montre à Alexis. Nicolas, il l'a sur lui, là. Fait qu'il faut des belles montres pour enfants, là, avion, dinosaure, pour les filles. Les filles, il y a plein de choix, évidemment, là. Mais pour les garçons aussi. Fait que moi, j'ai acheté ça comme cadeau à mes enfants, pour leur fête. Pis capot. Il aime vraiment ça. C'est qu'Alexis, lui, il l'endure moins longtemps. Nico, là, tout le temps. Tu sais, hier, il s'est lavé pis il avait sa montre, là. Mais à foule de beaux bijoux aussi pour les enfants. Pour tous les âges, tous les styles. Pour les femmes enceintes, là, avec, tu sais, l'habit qui fait du bruit, là. Fait que, ouais. Le balaise. La glou, je suis pas sûre. Je pense que c'est plus la fatigue de la nuit un peu bizarre que j'ai eue. Donc, c'est des super de beaux bijoux. Geneviève Bilodeau. Elle a aussi un site en ligne pour commander à Saint-Georges. Si vous êtes dans le coin, allez-y. Donc, je vais refaire un refresh puisque de fois en fois, vous êtes 200-300 à vous rajouter. Je pense que Nat, les tourneaux, je pense qu'ils partagent genre 30 secondes. Sans l'autre. Aïe. Il faut pas que je regarde sa vidéo-là, mais sérieux, je vais... Attendez, ce sera pas long. Mettons, j'écris vers 14h30. Excusez, je réponds à des messages privés en même temps. Bon, on fait un refresh. Elle vous dit, hey, c'est... En genre 5 minutes, vous avez 500 commentaires de plus. 500 partages de plus. Donc là, je vais compter jusqu'à 20. 1, 2, 3... Excusez, il y a un spam. Je t'ai rendu à 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 9, 20. OK. Melcam est encore là, hein? Il y en a plusieurs qui partagent plus qu'une fois, mais là, c'est Christelle Pocket qui gagne les bijoux. Comment partager, Marianne? Juste en écoutant le live, là j'essaie de me revoir en live, là. Vous écoutez le live, il y a vraiment un petit bouton « J'aime »,« Commenter »,« Partager ». Donc, j'avais dit qui, là? Christelle, qui, moi, là?
J'ai fermé la page. Ah, Christelle qui? N'as-tu que ça rappelle? Christelle Paquet? Ah! Hey, aidez-moi, s'il vous plaît. Je me rappelle plus son nom de famille. Christelle. Christelle. On va essayer de la retrouver, mais je veux dire, on est une méchante gang, ici, là. Christelle. Je vais être capable de la retrouver. Paquette, merci! OK. Hein, je suis pas payée, finalement. Et ça va être le dernier cadeau de la journée. Et une primeur pour vous. Aujourd'hui, j'ai la bouche sèche. On fait tirer 5 de notre nouveau magazine mai 2021. C'est évidemment, il faut le choisir les prix. Donc, 5 exemplaires. OK? Donc, là, j'en ai 3, là, mais il y en a d'autres en bas. Donc, 5 exemplaires de notre nouveau prochain magazine mai 2021 qui, primeur, normalement, aurait dû voir le jour sur notre boutique en ligne seulement jeudi prochain, puisque c'est en même temps qu'en kiosque, puis grosse patente. Mais la force d'avoir gossé mon mari, puis me dire « Hey, je fais un méchant live, là. Mais ça me serait le fun d'égoter pour vrai, là. » Et là, j'ai gossé mon mari pour lui demander « Est-ce qu'on peut, pour genre 24 heures, tu sais, on a comme dealé un peu, pendant 24 heures seulement, on ouvre accès à notre boutique en ligne pour l'acheter. Mais après, ça va aller à jeudi ou vendredi prochain pour l'acheter. » Fait que là, pour 24 heures seulement, je vais vous mettre un lien, c'est vrai, je l'ai ici, hein? Ici. Je l'ai ici, attendez. Il est ici où il m'a écrit? OK. Fait que pour 24 heures, vous avez accès pour l'acheter. Je vais faire un refresh, puis je vais vous l'écrire en commentaire. 24 heures seulement. OK? Là, je l'ai écrit en commentaire. Je vais le réécrire. Excusez, j'ai mal écrit peut-être. J'ai écrit « Acheter magazine mai 2021, primeur 24 heures ici. Okay. » Puis là, vous devez voir mon commentaire. Fait que pour 24 heures, vous allez pouvoir l'acheter en primeur. Sinon, il va falloir attendre à jeudi prochain. Fait que là, j'ai 5 exemplaires à faire tirer. Donc, si vous l'avez déjà, dites-moi le. On regardera d'autres choses, là, mais c'est ça. Fait que je vais faire un refresh encore du partage. On est rendu à 1800 partages. Vous êtes vraiment en feu, ça n'a pas de sens. Bon, je vais prendre le crayon pour vous noter. Là, s'il y en a qui manque de politesse, on vous invite à quitter le live, s'il vous plaît. OK? Moi, je veux un live dans la bonne humeur et la joie, pas dans le bitchage, s'il vous plaît. Donc, excusez, on fait tirer 3. Premier nom, on peut garder. Ben oui, tellement Sylvie, vraiment. Premier nom, Dany Roy. Je vais vous montrer, là. Dany Roy, t'es la première gagnante du magazine. Je vais l'écrire. Puis c'est important que chaque gagnante m'écrive, s'il vous plaît. OK? Ensuite, on continue. Oups, pas l'air, ça va pas bien. Donc, c'est encore Dany Roy. On va recommencer. Excusez. On recommence, on descend. Deuxième gagnante, excusez. Guylaine Allard. Je vais écrire votre nom. C'est important de m'écrire en privé sur Facebook, s'il vous plaît. Guylaine Allard. Hey, on a 5, hein, quand même. Hey, je vois plus vos commentaires. C'est quoi qui s'est passé? Pourquoi je vois plus vos commentaires? Hein? Attendez. Vous me voyez-vous? Pourquoi je vois plus vos commentaires? Voyons, non, c'est quoi cette histoire-là? Une belle crotte? Non, c'est pas ça que je veux voir. Hein? Je vous vois plus. T'as un peu. Je vais aller voir sur mon... Bon. On recommence. Je vais aller lire vos commentaires en même temps sur mon autre Facebook, là. OK. Donc, on est rendu à combien, là? OK. 3. OK.
Excusez, voyons, dans ben de la misère. OK. Martine Morissette. Félicitations, Martine. Martine Morissette. Il en reste deux. On va refaire un refresh pour être sûr que tout le monde ait sa chance. Bon, refresh. Hey, 2000, ça n'a pas de sens. OK. Prochaine gagnante. Melcam, bon, ben là, t'as déjà gagné. Regarde, vu que la page ici là, est déjà ouverte, Melcam a déjà gagné, Lynn Barnier a déjà gagné, fait que c'est Caro! Caro! T'étais abonnée, écris-moi, je sais plus si t'étais abonnée, Caroline. Caroline, je sais jamais comment dire ton nom. Monastèse. Monastèse. Et un dernier! Je vois déjà des messages qui... Je vais mettre un lien en passant pour l'acheter en primeur avant, avant. Fait que, ça sera pas trop long. Je check mes messages en même temps. Et le dernier. On va regarder ça ensemble. Et où ma souris? Hein? Excusez, je trouve pas ma souris. Mais voyons donc. Ah, OK. Claire Gingras. Donc, Claire Gingras, vous êtes la dernière gagnante du magazine de mai. Je vais écrire votre nom, mais écrivez-moi en privé, s'il vous plaît. Si vous réclamez pas votre prix, je pourrai pas courir après vous, parce que, tu sais, on s'entend qu'il y en a plusieurs, sûrement, de Dany Roy et Guylaine, là, dans la multitude de Facebook. Donc, c'est les cadeaux pour aujourd'hui! Je vais aller voir vos commentaires en même temps, parce que là, je les ai plus sur mon Facebook à moi. Attendez un petit peu... Hein? Ah, c'est vrai, hein? En même temps, je vais finir ma recette avec vous, ta carrière. Ah! Bon. Bon, on va y arriver. C'était ça, les cadeaux, aujourd'hui! J'espère que vous êtes contents. Sérieux, j'ai une petite voix gossante, là, mais... J'espère que vous avez aimé ça. Non, Lynn, il n'y a pas de bouteille pour le sirop aujourd'hui, Moses. Moses de Moses. Et là, tant qu'elle est avec vous, je vais vous montrer comment faire. Là. Mais tu sais, c'est pas compliqué. Là. Vous avez votre verrine ici, là. Puis une fois ça l'a refroidi un petit peu, là, vous venez juste déposer. Là, ça part la mousse, OK? Mais c'est normal, il faut que ce soit réfrigéré. On s'entend, là? Au moins 3-4 heures. Puis même si c'est plus, c'est tant mieux, là. Fait que, regardez-moi ça, comment ça n'a pas l'air cochon un peu. Ça, c'est fun d'aller chez la spatule. Fait que ça. Excusez un petit peu. Un petit peu ici. On conne comme ça. En vrai, je fais des shooters de, je sais pas comment ça s'appelle, les affaires que tu connes. On conne. On réfrigère. Même trop bon. Merci! On peut faire la veille, oui, Guylaine. Là, je vous parle en même temps ici puis ici. Parce que je vous vois plus ici. Fait que je vois vos commentaires là. Tequila, hein, ça paraît, Sylvie, hein, que j'aime ça, la colle forte. Tequila, bang bang, ça c'est pas sûr? Oui, je sais, Carole. J'ai tellement, en plus, hésité à mettre ce chandail-là. Parce que je me disais, si je le salis, ça va être vraiment poète. Excusez, j'écris en même temps quelqu'un, là. Mais, ouais, mais ça, c'est un autre beau gilet de Vicky. Fait que vous avez été vraiment nombreuses. Claire Desjardins. Là, ça fait bizarre, hein? Je parle en même temps. Claire Desjardins, je vais écrire la recette sur le live. Donc, sur ma page Facebook, puis je vais la partager aussi sur roxannecuisine.com, évidemment. J'espère que vous allez la cuisiner, puis vous allez taguer vos maris, vos chums, vos conjoints, peu importe, pour qu'ils vous la cuisinent, parce que c'est quand même votre break pendant la fête des mères. Fait que, pour ça, combien Cathy Vaillancourt? Ben, comme j'ai dit au début, c'est comme soit deux portions aphrodisiaques, ou quatre portions plus petites, plus raisonnables. Mais tu sais, les deux portions sont pas si grosses que ça, à mon goût, là.
Fait que ça donne un beau deux portions, là. Deux à quatre. Quatre mini ou deux normales. On va dire ça comme ça. Hey, bonne fête de mère à tout le monde aussi. Vous êtes donc bien fine. Oh, ça termine tellement bien ma semaine d'être avec vous autres. Vous avez pas idée. Sérieusement, là. Ça me full énergisé d'être avec vous autres. Même si j'ai pas dormi à moitié de la nuit, là, ça fait full du bien. Puis on dirait que je me balance comme quand on a des bébés naissants, là. Tu sais, faut tout le temps ça qu'on a des bébés, là. En tout cas, moi, là. Oui, Mireille, je vais aller créer la recette tout de suite après le live, après avoir ramassé mon bordel. Donc, je vais rappeler les gagnantes, OK? Tu m'as quand même une coupelle, là. C'est où j'ai mis mes papiers. OK. Je vais aussi prendre le temps aussi de redire merci aux entreprises qui nous ont donné ces prix-là. Faut leur dire merci parce que on s'entend, là, c'était vraiment pas obligatoire d'avoir peur de nous donner tous ces beaux produits-là. Fait qu'un gros merci encore à la boutique Vitsky qui est géniale. Sérieux, c'est mon amour. Donc, boutique Vicky, Azure, bar soins et ongles esthétiques, qui, je m'ennuie d'y aller pour me faire une manucure parce que je me gruge les ongles qui sont rendus dégueulasses. Merci Catherine Laterre-Fauché, justement, de chez Azure, qui est formidable, super humaine, vraiment, j'adore. MC Bedon et création de Marie-Christine Leroy, qui vraiment, pour autant les photos familiales de maternité, de post-maternité, vraiment des photos de thalasso, de bain thalasso, plein de produits, mode, décor, il y a de tout chez MC Bedon et création. Si vous tripez maternité, c'est sûr que vous allez trouver pour votre compte, là. Mes échelles de croissance pour mes enfants, c'est tout là, je les ai fait faire. C'est tellement beau, ça n'a même pas de sens. C'est elle qui a pris mes photos de mes bébés, post-naissance, évidemment. Donc, merci encore à MC Bedon et Création. Merci encore à Geneviève Bilodeau-Joalière avec ses beaux produits, ses beaux bijoux. Puis moi, je suis une folle aux bijoux. Je suis pas une folle au chat, mais je suis une folle aux bijoux. Donc, encore merci pour tes belles créations puis toujours ta belle participation pour nous donner des produits. Et j'oublierai Olivier Gourmandise, la Dead Cat Veilleux, avec des produits que vous savez que j'aime beaucoup trop, qui me manquent toujours dans ma cuisine. J'ai une armoire, elle est là, réservée. Attendez, elle est là. En tout cas, elle est là dans le coin, là. C'est toutes mes huiles de evening de Olivier Gourmandise. C'est bon, c'est tout le temps bon, c'est tout le temps frais. C'est miam, 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 miam. Vous avez 10% de rabais à passer avec le code promo RETIS, mais je vais prendre le temps, vraiment, de mettre les liens de chaque entreprise. Puis, je vous encourage tellement à les encourager. Puis, c'est pas à cause qu'il y a une cote sur leur vente. C'est vraiment, c'est tellement des belles entreprises, je vous le dis, là. Vous allez devenir accro comme moi, ces entreprises-là. C'est des femmes derrière ça, mais surtout des mamans qui ont jonglé avec l'entrepreneuriat, la vie de famille, la vie de couple parfois. Donc, il faut vraiment les féliciter parce que c'est pas évident. Puis j'en parle à mon nom personnel. C'est pas toujours évident de jongler tout ça comme ce live aujourd'hui. Tu sais, il a vraiment fallu quasiment que je mette mes enfants à part. En tout cas, il y en a un qui dort dur, là. Mais tu sais, mes enfants, je pouvais pas faire ça avec mes enfants en live, ça aurait été impossible, ça aurait été de bordel. Fait que, puis merci à tous les conjoints derrière ces femmes-là qui supportent, qui encouragent, qui font dépasser vraiment. Merci à ces hommes-là aussi derrière ça. Donc, merci. Et je redis encore les gagnants-gagnantes, c'est important de m'écrire, s'il vous plaît. Parce que là, moi, j'ai juste vos noms, fait que c'est sûr, ça sera impossible de vous trouver, à part peut-être Natacha, là. Fait que Annick Tremblay, elle gagne le verre isothermique de MC Bedon et Création Mom Life. Françoise Major Pilote gagne le coffret de Olivier Gourmandise, qui soit dit en passant, là, vous pouvez l'acheter des déjà faits, des coffrets comme ça, ça peut être 6 bouteilles ou 4 bouteilles, et vous pouvez acheter aussi des coffrets personnalisés. Fait que si vous voulez, mettons, 6 bouteilles, puis les choisir vous-même, les 6 bouteilles, vous pouvez le faire. Même chose pour les 4 bouteilles. Fait que gâtez-vous, les filles. Natacha, les tourneaux. Solange Perrault, Lynn Bernier et Nilda Bouchard se méritent un certificat de 25$ de chez Vicky que je ne sais pas où j'ai mis. Pourtant, il est assez rose nanane. Voyons si j'ai mis ça. OK, oui. Donc, vous avez 25$ de rabais chez Vicky. Puis elle fait toutes les nouveautés, des lives à toutes les semaines avec ses nouveautés. Vous ne manquerez pas de choix, ça c'est sûr et certain.
On a aussi Christelle Paquette qui gagne les bijoux de chez Geneviève Bilodeau Joaillière. Donc, félicitations Christelle. Et on a finalement Dany Roy, Guylaine Allard, Claire Gingras, Caroline Monastez, excuse Caro, Martine Morissette qui gagne le nouveau magazine de mai 2021 qui, pour 24 heures, il est disponible sur ma boutique en ligne. OK? Donc, si vous voulez l'acheter pour 24 heures, on le met disponible. Après, on l'enlève pour jusqu'à jeudi prochain, sa date officielle de mise en kiosque. Donc, 24 heures seulement pour procurer des belles recettes d'été, tout en fraîcheur, tout en légèreté. Puis, comme on l'a vu dans les témoignages que j'ai lus au début du live, c'est vraiment super efficace pour perdre du poids, manger plus sainement, manger à sa faim. Tout le monde mange plus santé à la famille. Tout le monde... Ah, ça, c'est cochon. Ma casserole s'mores au framboise. Il y a vraiment pour tous les goûts. Donc, autant les végés que les non-végés dans la vie, là. Vraiment, les beaux petits déjeuners rassasiants, des collations santé, un beau Général Tao. En tout cas, je n'en dis pas plus que ça. Fait que je vais écrire le nom de toutes les gagnantes après le live. Je vais écrire évidemment la recette sur ma page Facebook, sur RoxaneCuisine.com. Vous mettez les liens des entreprises, les codes promo au besoin. J'ai juste plus de voix. J'ai plus de voix. Oh. Hey, je vous disais même pas vos commentaires, je suis pas pire, moi. Excusez, j'ai vraiment plus de voix, là. Oui. Fait que c'est plate que je vois plus vos commentaires. Sérieux, ça me gosse royalement. J'ai l'impression de me parler tout seul. Ah, merci, Guylaine. Bonne fête des mères à vous aussi. À toi aussi, ma belle Cathy. Donc, bonne fête des mères à vous tous. Profitez-en de la belle température, là. Là, mes enfants vont venir bientôt. Puis mon bébé, je commence à l'entendre... Pourquoi je me balance de même? Ça, c'est un réflexe de maman, hein? Tout le temps de se balancer de même. En tout cas, il est en train de se réveiller tranquillement pas vite, là. Fait que, ouais. Bonne fête des mères, profitez-en. C'est pas une fête des mères ordinaire, étant donné toutes les circonstances, les restrictions, mais un appel, un petit geste, un petit cadeau, une petite attention, ça fait vraiment toute la différence. Tu sais, moi, j'ai quand même eu des beaux petits cadeaux, je vais vous montrer ça. Tu sais, de mes fils. Donc, j'ai une fleur que je me rappelle plus le nom, elle là. J'ai une carte de Nicolas ici, avec des abeilles, vu que sa classe c'est des buzzybees. J'ai une carte avec mon petit Alexis que je vous montrerai pas trop parce qu'il y a une photo. Et j'ai un bricolage de Olivier, I love you to pieces. Puis Alexis c'est Mom, you are my sunshine. C'est des petites choses comme ça qui fait plaisir de voir. Excusez, j'ai vraiment plus de voix. Fait que là-dessus, bon week-end tout le monde. Ouais, bon timing. Hey, j'ai la gorge sèche, j'ai même pas de bon sens. On va aller manger un peu de mousse au chocolat. Bon week-end, profitez-en. Bonne fête des mères à tous, prenez soin de vous. Et laissez-vous vous gâter. Hein? On a le droit une fois par année de se faire chuchoter un petit peu plus. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. C'était vraiment malade, je suis vraiment très contente. Donc, bonne fête des mères à toutes les mamans. Là, je parle là, puis elle est là. Bonne fête des mères, toutes les mamans, vous êtes merveilleuses, oubliez jamais. On fait notre meilleur, on n'est pas parfaite, mais on fait notre possible, puis c'est l'amour qu'on a pour nos enfants qui est le plus important. Donc, bye!